Alors, ce qui est intéressant dans cette variété, c'est qu'elle est précoce. Apparemment, je crois qu'on peut la semer dans un sol à partir de 9-10 degrés, bien sûr sous abri, hein. Donc, si vous n'avez pas de serre, il faudra mettre un tunnel nantais. Alors, c'est une variété qui est facile à trouver. Moi, je l'ai acheté à Leclerc, comme Pongo, à 4 € environ. Alors, caractéristique de la variété Soliman. Alors, le haricot Soliman, c'est une variété très précoce, hein, qui se sème à partir d'avril. Donc, ça, c'est vrai. C'est extra fin, long et sans fil, donc ça c'est vrai. D'ailleurs, moi j'ai essayé plein de variétés, hein. C'est la première fois que j'en trouve une avec zéro fil. Et quand je dis zéro fil, c'est vraiment zéro fil, hein, même après cuisson. Bon, sinon, c'est de très bonne qualité gustative, donc effectivement, ils sont très très bons. Mais je trouve qu'ils sont quand même un peu trop fermes. Pour moi, les meilleurs haricots, c'est les cotendeurs. Parce que moi je trouve qu'ils sont fondants en bouche. Par contre, le problème c'est que c'est une vieille variété, donc qui est complètement dépassée par celle d'aujourd'hui, notamment en productivité et en résistance aux maladies. C'est une variété productive mais échelonnée, ça c'est vrai aussi. Moi je préfère les variétés échelonnées, hein, plutôt que d'avoir tout d'un coup. Mais il y en a qui préfèrent sûrement avoir l'inverse. Convient à la congélation. Alors ça je sais pas encore, j'ai pas commencé à les congeler. Par contre, astuce pour la congélation, donc il faut absolument les faire précuire, idéal à la vapeur, 3 à 10 minutes avant de les congeler, hein, pour tuer toute vie microbienne et biologique, qui sinon vont modifier mois après mois le goût et la texture du haricot. Alors pour l'été, là, je vais utiliser une autre variété qui s'appelle Pongo. Donc apparemment c'est une variété qu'utilisent les professionnels. Donc ça c'est une variété qui est résistante à la chaleur. Donc je vais plutôt utiliser celle-là. Si vous avez beaucoup de soleil et de chaleur en même temps, je vous conseille de mettre un ombrage. Ça c'est très très important. Sinon vous allez stresser le haricot qui va galérer à pousser correctement. La différence avec ombrage et sans ombrage, elle est juste dingue. Essayez, vous allez voir la différence, c'est dingue. En plus, pour faire un ombrage, c'est extrêmement simple et rapide. Mettez des arceaux comme si vous vouliez faire un tunnel nantais, sauf qu'à la place de la bâche, vous mettez un voile d'ombrage, et voilà, c'est vraiment tout tout simple. Concernant le semis, comme les températures extérieures sont assez basses en avril, je préfère les faire pré-germer chez moi à la maison, comme ça on gagne plusieurs jours sur la germination. À 18 degrés, ça germe en 4-5 jours. Alors qu'en pleine terre, ça mettrait beaucoup plus de temps pour germer, sûrement une dizaine de jours, vu que la température du sol est plus basse qu'à la maison. L'intérêt, ça permet aussi d'éliminer tous ceux qui n'ont pas germé ou qui vont mettre trop de temps à germer. Ensuite, si on veut gagner encore plus de temps et limiter les risques de pourrissement, on peut semer les graines pré-germées directement dans des plaques alvéolées avec du terreau, plutôt qu'en pleine terre. Donc voilà ce que ça donne. Alors l'arrosage, alors ça c'est la partie la plus compliquée car le haricot a besoin de beaucoup d'eau mais sans excès. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, les haricots seront mous ou creux, donc immangeables. Et s'il y a trop d'eau, il y aura une asphyxie des racines avec pour conséquence maladie du feuillage, donc baisse de production, faible croissance, etc. Donc pour éviter ça, j'ai mis au point un système de tranchées. Lorsque je bute les haricots, environ à 10 cm de hauteur, je fais une tranchée de chaque côté. Et j'arrose ensuite que dans la tranchée. Comme ça, c'est pas l'eau qui va aux racines, mais les racines qui vont à l'eau. Et ça change tout, ça évite les excès. Pour le haricot, il faudra arroser dans les tranchées uniquement lorsque la terre en surface sera sèche. Le sol, il doit toujours rester humide. Si vous arrosez trop, de toute façon, vous allez vite le savoir, car le lendemain ou le surlendemain, les feuilles vont passer du vert foncé au vert clair. Et si vous avez vraiment trop arrosé, les feuilles seront jaunes. Ne jamais oublier que l'excès d'eau est dangereux pour la plante, c'est pour ça qu'elle s'en débarrasse à 90% en transpirant.
Attention à ne pas enterrer à plus de 5 cm la graine, hein, sinon les feuilles auront du mal à sortir. La preuve, pour la technique en poke, on voit qu'il y a beaucoup de manques. Normalement, il y avait 4 graines par poke. C'est parce que justement, j'ai trop enfoncé les graines. Pas grave, hein, dans ce cas-là, il suffit juste d'en remettre. L'année dernière, j'avais fait une autre variété, donc à peu près à la même période. Donc ça, c'est du triomphe de farci. Alors, on voit, il y a une grosse production parce que c'est une récolte groupée, mais le problème c'est qu'il n'y a que des fils. Que des fils, donc je ne conseille absolument pas cette variété.